Voilà. Il va falloir que je vous explique le comment du pourquoi. Hop. Oui, donc super arche de Noé 3D. Voyez, approuvé pour la famille. Enfin, c'est limite s'ils ont pas le sponsor Famille de France. Toi, la musique elle est trop forte. Attends, on peut garder les sons, mais pas trop fort non plus. Voilà, parce que ça va être assez répétitif, hein, comme c'est du 3D à la One Flash Time. Gna 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 gna. C'est quoi Small Figure? Des petits aspects. Ouais, on reste en 16/9, parce qu'apparemment je pourrais mettre 4 tiers. Non, allez, on va rester en plein écran. Le son du jeu est trop fort et les bruitages d'épais, c'est bizarre. Ouais, exact, Tomouf. Merci. C'est encore trop fort là, alors que je suis dans les options de. Parce que je peux encore faire moins fort. Bon, je peux deviner que ça vous insupporte, mais quand même. Pour la culture, s'il vous plaît, faut qu'on fasse ce jeu. Pour la culture et mon plaisir, c'est pas comme si j'avais choisi délibérément. Overlay off. Ah, par-dessus, si je veux bien. Rotation. Oui, pourquoi pas. Alors, dessiner les textures des murs, dessiner les textures du sol. Oui, tout ce qui est par-dessus texturé, peut-être pas. Montrer les ratios de niveau. Oui, pourquoi pas. Le droit de faire pause. Oui, pourquoi pas. On sait jamais, on peut avoir un incident direct. Envie de relire la Bible subitement. Pour répondre à une question, oh mon dieu. Je rigole, mais ça va peut-être se produire en plus. Non, je vais pas activer le joystick. C'est vrai que je pourrais jouer à la manette. Mais je pense que au clavier souris, c'est peut-être mieux. Alors vous allez voir, hein, le coup de l'arche de Noé, sérieusement. Voilà, faut d'abord trouver le premier chapitre, trouver le chameau. Ensuite, il y a la girafe, ensuite il y a le singe, il y a le kangourou, l'éléphant et l'ours. Il a une drôle de tête, l'ours. Je veux même pas savoir ce qu'on lui a fait. Heureusement, c'est le dernier. Bon, on va aller chercher le chameau. Non, normal. C'est quoi les têtes? Oui, on voit vraiment que c'est un jeu pour les gamins. Allez, on va faire normal. Alors, il a fallu 6 jours pour Noah à créer son arche. Les animaux ont pu se reposer, ils étaient claqués, tac tac tac, il y a de la bouffe pour eux, ils font dodo. À la fin du premier jour, il a préparé avec Karl le chameau, échange machin, blablabla. Mais c'est devenu hors de contrôle. Soyez prudent et super rigide, non, peut-être pas non plus. Attends, alors c'est pas tout de dire je rejette la manette pour jouer, mais il faut peut-être que je me saisisse du clavier et de la souris pour jouer. Ah mon dieu! Je suis Noé! Quoi? Attendez, il y a un problème de touche là. Ah, c'est comme ça qu'on joue! Oh mon dieu! Je redécouvre le jeu, hein, excusez-moi. Comment j'ouvre la porte? Oula! Ah oui, les cages sont pétées. Allez, arrête de me faire mal, toi. Ah oui, là, il sifflote, Noé, là. Je me suis déjà fait défoncer aux trois quarts par les... Oh, le bordel sur l'arche. Excellent, l'image des cages pétées. Mais il n'y en a plus une qui est en état de... Tous les animaux se sont libérés. Ben, toi-même. Voyez ce jeu de la non-violence, ils font dodo. En fait, c'est pas un lance-pierre que j'ai, c'est faux, c'est un lance-somnifère instantané. C'est extraordinaire. Et
les dodos. Ben, une déboîte, l'autre. Faut pas que j'oublie, il y a peut-être des passages secrets. Faut que je teste. Faut que je pousse les murs. Bon, visiblement, là, il n'y a rien dans cette pièce. C'est du bois parfait. Les poutres ont été posées. C'est tout aussi beau que dans Raft. Le navire est fiable. Ah! Dodo. J'ai eu peur. Eh, j'ai cru que ça, c'était une corde pour se pendre. Ce son. Il me reste 3% de vie, mais... Ah, merci. Ce que j'allais dire, si c'est pour me faire déboîter par les animaux, la honte. Mais arrêtez de me cracher dessus, là. Oh, question numéro 30. Qu'est-ce que Noé a fait après les intempéries? Il a planté une vigne. Il a tendu un mouton, si j'ai bien compris. Et il a couru vers la caravane. Il a planté une vigne, non? Ah, bonne réponse. Ah! Mon Dieu. Mais... Peu de dos, toi. L'arche est monstrueuse en fait, on va voir, l'arche est très très grande. Vu la taille des niveaux. What? Ah! Ah non mais ils sont partis partout les animaux. À quoi me servent les fruits? Merde, j'aurais peut-être dû relire les instructions du jeu avant. Un passage secret. Heureusement que la mouche indiquait que... Oh! J'ai quoi ça? Oh, j'ai gagné un meilleur... Noah. Pff, il y a même des supporters. J'ai gagné un super lance suppo. Suppo du diable. Il leur donne instantanément envie de faire dodo. Ah oui, ça marche. Allez tous avec moi, la musique va vous rester dans le crâne toute la journée. Ah, je suis déjà pas mal. Oui, Yannick est en DLC, elle est bonne. Bravo Tomouf. L'épisode s'appelle La montée au filet. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il vient d'ailleurs? Et ça doit être un héros retraité normalement, Yannick Noah là. Il est peut-être d'ailleurs auprès de son fiston qui vit aux États-Unis là, qui est basketteur, son fiston. Alors, niveau 1, pièce 1 terminée. Aucun bonus. Ok, génial, je l'ai dans le cul, Lulus. Ah! Il y a un animal qui m'a échappé, visiblement. Parce que si j'ai un quota de 96% d'animaux... Je sais pas tout. Attendez, faut peut-être que je sauvegarde, non? On sait jamais, je m'en voudrais de... Bah, je sais pas, moi... ça, je me demande si LSDN, ça me va, moi, comme sauvegarde. Là, le mec, il est vilain, il nomme sa sauvegarde Satan, Judas. Oh merde! Ah bah j'ai bien fait de sauvegarder, je me suis fait trucider. Bon, attends, je peux recommencer. Ah oui, j'ai encore 2 vies. Ça va. Ah, par contre, j'ai perdu ma super arme. Dommage. Oh le bordel.
Mais il va rester au dedans lui. À lui tout seul, il m'a bouffé la moitié de ma vie. Faut arrêter. Boring. Ah! C'est rué sur moi, m'a fait peur. Oh, des clés. Oh, de la bouffe. Wow, comment tu cours vite, l'autre. Dado, dido, passe un secret. Ça me fait penser, j'ai toujours pas pris le temps de regarder votre épisode Petit Seb, Christella et compagnie, là, il est en retard. Quand vous avez construit votre navire dans Raft. Je sais que c'est sur la chaîne YouTube de Petit Seb. Il faudra que j'aille regarder ça un jour parce que vous avez fait vraiment un boulot extraordinaire. Le jour arrivera, je pourrai vous présenter mon radio à moi des mers dans ma version solo. Vous verrez que ça n'a rien à voir. Mais je vais reconnaître que l'autre est vachement beau. C'est quoi ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que ce lance-pierre? Oh là là, la mitrailleuse à... On devine le principe à l'image. Ils ont de l'idée. Oh, le distributeur. Ah ouais, non mais... Exactement, ouais, c'est la raquette de Yannick Noël. Exactement, t'as vu. T'as tout compris, on peut rien te cacher. Mais c'est... Ah merde, j'avais pas vu, mais elle est en PLS, ma webcam. Je suis en train de voir que non seulement j'ai clapé, mais en plus ma webcam n'aimait plus. Oh merde. Alors je vous la remettrai pour le jeu suivant, c'est pas grave. Comme on dit, c'est accessoire. Mais j'ai pas fait exprès. Oh merde, Oum. Si, je fais un week-end normal demain, Toyota. Là, je fais un week-end normal. En fait, c'est exceptionnel, finalement. J'ai rechamboulé mon agenda du mois, bien malgré moi. C'est les week-ends suivants où je serai plus là. Je serai juste présent le samedi matin. Donc, à part ce week-end qui est normal, les week-ends suivants du mois de mars, vous ne me verrez plus. Excepté, je dis bien, le samedi matin. Oh merde, c'est fermé, ça. Donc, demain, si tu veux faire du Stardew Valley avec moi, si t'as envie de... Je sais plus, qu'est-ce qu'on a en commun. Les Black Story ou je sais pas quoi, tu me le dis, t'es bienvenue, toi, Tara. On pourra faire nos jeux en commun demain. Le mal poli, il m'a... Ouch. Il m'a tourné le dos et l'autre il m'a déboîté. Non! Ah non, à ce stade je recommence à la... Attends, c'est quoi la touche rapide pour recharger la partie? Je sais plus. Attends, je trichote parce que là j'avais la super arme intermédiaire. Attends, 56% de vie, comment je me suis fait déboîter par les animaux moi? Ouais. Merde! Oh non! Je l'avais pas vu, il m'a déboîté! Ah! Ce jeu va me rendre fou. Nayonet dit, il est tout gentil et mimi, ton... Oui, bah oui. Attends, attends, ton retard, j'ai découvert un message, il me parle de Stardew Valley. Ah, t'as découvert plein de choses en Stardew Valley. Oui, non mais Stardew Valley a plein de secrets, est très riche. Quand je vous dis que c'est un volet plus passionnant que les feux de l'amour, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de me croire, et pourtant, on vous en fait la démonstration à chaque fois qu'on y joue. Ah! Au dodo. Ouais, il me faut de la santé. Ah, ben oui, tu m'étonnes que je peux pas y revenir, c'est le passage du niveau précédent. Tout s'explique. Vite, santé. Ah! Oh dodo, toi aussi. Oh dodo.
Allez, get the bon. Oh, je te vois, toi. Viens ici, vilain. Couché. Oula! Comment qu'il était parti pour me charger? Mais non, mais j'ai 13% de vie. Oh, il va me défoncer. Ah, il m'a défoncé. J'ai honte. Attends, comment je... Ah merde, j'ai fait saving. Ah merde, c'est... Attends, bon? Sérieux? Ah merde, j'ai... Ah, je crois que c'était l'inverse dans les touches. Bien fait pour ma gueule. Ah, attends, je recommence avec une vie en moins. Boing. Ah ah! Il l'a eu dans les dos. Astuce. Ah merde, faut la clé. La personne. Me méfie, hein. J'ai des poursuivants. Re cousin. Oula. Ah. Qui c'est que ce boxou ici? Il y a de la nourriture et de la bouffe. Qui est renversé. Mais ils sont combien là? C'est la bergerie. Aïe, aïe. Je suis en train de me faire déboîter. Mais non. Je les ai tous eus? Ah, ouf. C'est... Ah! Il m'a eu par ruse. C'est le jeu Arche de Noé 3D, cousin. C'est ça. Non, merde. Bon, l'histoire de blablabla. Oh! J'avais la meilleure arme. Le super lance-pierre. Ah non, il y a mieux. Oula, la violence. Là, je me lance des caisses complètes. Oh, les animaux! Oh, la vache! Wouah! Ah! Ah ouais, il y a tout pour se soigner, ouais. Ah, pas mal, il y en a des choses. Ouais, intéressant. Quelque part dans l'arche, il y a 12 sorties secrètes. Ah, qui donnent accès à des niveaux secrets. Intéressant. C'est rigolo. Bon, alors, on reprend. La musique est sympa, oui, c'est gentil. Ah! Je me retrompe de touche. Tout va bien. Ah! Attends, il y a l'autre qui est là. Je dois reconnaître que je joue mal. Faut que j'explore. Que j'explore bien les pièces avant de me barrer. Oh, y'en a du monde. Ah, mais c'est qu'ils ont ouvert la porte. Depuis quand ils savent ouvrir la porte? Y'a un animal qui est parvenu à clencher la porte. Oh là là, sont rusés les loustiques, sont rusés. Non, mais comment qu'il a détalé au bout du couloir pour venir me charger à coups de corne? Qu'est-ce que là? Oh là là, toi. Ah! Putain, couché. Ah! Oui! À moi les fruits! Je vais pouvoir nourrir les animaux! Ah! Il vient, lui. D'où qu'il vient? Aïe! Il m'a déboîté. Oh! Non! Mais le cauchemar! Non! On recommence! J'y arriverai un jour, j'y arriverai! Il faut persévérer, c'est comme dans la vie. Bon. Déjà, faut que j'apprenne à viser. Comment ça, bête? Bête toi-même. Ta-da-da-da-da-da-da.
Voilà, au moins il bloquera la porte en faisant dodo. Coucou. Alors là, il faut 650. Au suivant. Aïe, mais je crois que je l'avais assommé. Hey, il y en a qui sont coriaces, hein. Faut leur mettre des petits cailloux dans la tronche pour les assommer. Bon, ah non, c'est pas bon. Où qui sont les vilains? Où qui sont? Alors, je sauvegarde. Hop là. Vous l'avez vu très rapidement, ça a duré une image sur 30. Mais j'ai sauvegardé. C'est la réserve de fruits. Je mérite le succès caché Tutti Frutti. Et j'ai tous les fruits. Merde, je sais même plus où est la porte. Ah oui, je venais de là. Ah, j'ai pas la clé. Ah, faut que je reparte de l'autre côté. Voilà. Hop, sauvegarde. Quand ça se passe bien, bon réflexe. Au moins qu'on avance, que je vous fasse passer une fois le niveau. Merde. Ouais, il est de loin, les salopes. Ouais, je me refais une santé, youpi. Ouais, calme-moi, les bouquetins. Oula, je suis intégralement refait, vite, sauvegarde. Ça y est, je joue enfin bien. Enfin. Il était temps. Ouais, ça. J'avais même pas identifié le fruit que je ramasse. Ça, c'est des pommes, ça, c'est des bananes. J'avais ramassé du raisin, mais alors le fruit orange. Waouh, il m'a fait super mal, le salopard. Nous n'avons rien vu. Ah vache, et un coup, il m'a zigouillé la moitié de ma vie, le salopard. D'où il sortait, l'animal? D'où? Mais ils ouvrent les portes! Ils peuvent ouvrir les portes, les salopards! C'est confirmé! Ils peuvent ouvrir les portes, c'est honteux! C'est honteux, honteux, honteux! Alors attends, il y avait l'autre passage où il y avait la clé à l'autre bout du navire. Ou à l'autre bout du niveau, si vous préférez. Je soupçonnerais bien ce qui est en jaune là, de drap, de se pousser dans le mur. Non. Attendez, je pousse les murs, j'essaie de voir s'il n'y a pas un truc. Non, il n'y a rien. Il n'y a point de subterfuge. C'est du jeu, ça, normalement. Ouais. Ah, vache, c'est le grand salon sur le navire. Ah.
La suite se passe ici. Oula, y'en a des mondes. Ouais. Mitrailleuse à somnifère. Fais dodo. Ah. Oh, c'est Mimi, des gerbes de flotte. C'est la distribution de l'eau pour les animaux. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, bon, c'est bien les pions, ça. Attendez, j'ai laissé des trucs derrière moi, non? Oh, toutes les cages ouvertes. Tous les animaux se sont barrés. Non, j'ai rien. Je sais pas pourquoi. J'étais tellement focalisé sur les ennemis dans le corridor que je m'étais faussement persuadé comme quoi j'étais passé à côté de plusieurs trucs. Mais non. Là, je sais pas, j'ai des suspicions de passage secret. Il n'y a pas une latte dans le mur qui coulisse. Alors, autant prendre les munitions. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, c'est des cages à oiseaux. Oh, il y a des pièges dedans. Ah, on s'enfuit. Eh ben, vous voyez, pour une deuxième pièce, j'en ai bavé. Je suis mort combien de fois dans la deuxième pièce? 5 fois ou moins? C'est pas plus. Alors je crois que c'est ma damnation. C'est à ce qu'il me manque chaque fois un animal. Oh, oh. Alors sauvegarde d'abord. On démarre bien le niveau en sauvegardant. Ouais. Oh! Ok! Le chameau m'a agressé en me crachant dessus, il m'a déboîté instantanément. Agression de chameau, c'est scandaleux. Calmos le chameau! Ah bah non, c'est le chameau qui m'a eu. Oh, il va être difficile à mater le chameau. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la bonne arme, mais bon. Allez le chameau! Oh! Mais la violence avec laquelle il me déboîte! Mais qu'est-ce que c'est que ce chameau? Par où qu'il passe? Ah! Il va mourir! Ah, c'est moi ou je suis parvenu à l'endormir? Prudence. Ah oui, fille de dos. Bah alors, gros vilain. Gros vilain. Beau. Bon, j'ai la clé en or. Y'a rien là. Ah si. Ah, y'a un mur qui coulisse. C'est pour ça qu'il y avait un baril. Quoi? Ouah. Le jeu qui rend fou. L'arche de Noé 3D. Maintenant, sur vos écrans. Ah bah, je suis au max là. 199, je pense pas que je puisse aller au-delà. Après, c'est de la gourmandise, c'est ça? C'est ça. Je suis au taquet. Tout va bien! Je suis au taquet!
Oh. Attends, on ira après parce que visiblement c'est la sortie. Bon, logique. Il y a une logique qui se tient. C'est un million, c'est la cage qui fait. Oui, bah j'ai ma super arme. L'autre il a un sourire béant, Noah. Noah il a un sourire béant, il dit ah, je vais en mettre plein la gueule. Ouais. Oh, cette musique à la flûte de pan. Ah oui, le canard qui fait dodo et qui dissimulait un secret. Waouh! Comment ça, waouh? J'ai remâché un truc qui m'a fait faire waouh. Mais non, mais j'ai eu l'autre arme. Oh mince. Attends, je peux pas revenir sur les armes avec les chiffres, ah si. Ah oui, la meilleure arme, c'est la 4. Et oh, laisse-moi la mitrailleuse à cailloux, là. Ben vous imaginez si Thierry Lafronde avait eu cette arme? Ah, j'ai 5 vies. J'ai 4 vies, pardon. Oui, j'ai gagné une vie parce que... Ah, d'accord, tous les 100 fruits collectés, tu gagnes une vie bonus. C'est un peu comme les 100 anneaux de... du hérisson brusque... je sais plus parler français. Ah, ça, c'est le niveau suivant. Il n'y a rien entre les deux, non. Oh mon dieu. Tellement de secrets. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le succès est finir le niveau 1 avec un quelconque niveau de difficulté. Ah, j'ai maté, bah, avec le chameau, en fait. C'était l'étage du chameau. Et j'ai même pas trouvé tous les secrets, hein. 60%. Donc sur les... J'ai fait 3 murs sur 5, je crois. Au niveau du quota. Alors, ouais, Noah. Car c'était difficile de tous les calmer. Mais... tu peux choisir de guider dans l'arche sereinement parce que tu sais que c'est ton boulot. Enfin bref. Alors, à la fin du deuxième jour, Guigny la girafe a été irritable. Ouais, elle s'est barrée la vilaine. Et le jeu m'invite à garder un œil sur les pièces secrètes. Les pièces secrètes! Les pièces secrètes! Allez, on essaye d'aller jusqu'à la girafe, et puis à la girafe, je changerai de jeu. Oh, le portrait du singe! J'adore! Je suis déjà fan de ce portrait. Qui n'est pas un secret? Question 31. Quel était le plus vieux fils de Noah? Était-ce Ham, Shem ou Joseph? Est-ce que c'était Joseph? C'était peut-être Joseph. C'était la bonne réponse, c'était Joseph. Le plus vieux fils de Noah. Ah, question 32. Sur quel côté Dieu appela Noah à faire l'arche? Alors, en lui, en dehors de lui, et tout à la fois. En lui, peut-être, non? Ah non, mauvaise réponse. Aïe! Ah, les clés. C'est vrai que je valide, j'aime beaucoup la musique. Elle est très bien composée, la Zikmu. Da da di da di do da.
Bon, oui, il y a la clé en or là-bas, mais attends, j'ai pas fait quelque sale, moi. Ah, je suis lourdement armé, calmez-vous. Je peux vous doucher de somnifère. Eh oh, mouton dissident. Ah, question. 33. Quoi? Wide. Comment on traduit wide en anglais? Qui que quoi était... Ah, de combien de trucs était fait l'arche? Je sais pas, 50? Bonne réponse. Eh, c'est dégueulasse. Quand j'ai une bonne réponse, je gagne des points. Mais des points et de l'inventaire. Comment qu'il m'a déboîté avec ses petits respects, l'autre? Avec l'irrespect qu'il m'était dû en mon endroit. Bon, il n'y a pas de mur qui coulisse. C'était l'infirmerie, les animaux étaient là pour être soignés. Oui, je crois que je vais me résoudre à me rendre dans la pièce verrouillée. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce... Oula! Ah, carte. D'ailleurs, je m'en sers pas de la carte. Je sais même pas ce qu'elle touche. Oui, bah je viens de là, c'est logique. Non, bah je crois que j'ai tout fait. Il me reste plus qu'à faire la... Ouais, il me reste plus qu'à faire la porte brouillée. Il doit probablement donner accès au niveau suivant. Wow, il y en a du monde. Attends, déplacement. Attends, j'allais dire déplacement latéral ninja. On sauvegarde parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas sauvegardé vu le boxon. Dodo, gros vilain. J'aime bien l'air sévère de Noah. C'est gros. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'il a l'air. Oh! Une autruche! Ah! Il a foutu les jetons, cet idiot! Je crois que j'ai un poursuivant. J'ai cru voir très brièvement. Oh! Ah bah, c'est bien. On peut le dire, littéralement, je les ai tous alignés. J'avais pas un poursuivant dans le labyrinthe. J'étais persuadé d'avoir quelque chose qui me poursuivait au bout du couloir. Non, j'ai dû rêver. Ah! Mais attends, il bouge vachement lui! Il a la bougeotte! Ah! Vilain bait! La vilain bait! Ah merde, j'ai pas la clé. J'ai la clé d'or, mais pas la clé d'argent. La clé. D'argent. Ouh là là. Il y avait combien de cages ici? Attends, j'en reviens pas. Les animaux intelligents trouvent les portes. Oh, deux questions sur la Bible. Enfin, sur Noah. Première question. Ou 34. Eh ben, on connaît déjà la réponse. C'était 50. Merde, je me suis planté. Question suivante. Question 35. Je crois que c'était 40 finalement, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce que Dieu fait avec Noah? Que Noah sait que c'était sécurisé. Un bateau. Non. Merde, Noah n'a pas fait qu'un bateau avec les suggestions de Dieu. Et pas mal l'armoire à fruits. Ah, ce jeu. C'est tout? C'est bizarre. Pas de secret? Attends, c'est pas tabulation, la carte? Ah, si!
Alors, par contre, je sais pas si je peux dézoomer. Oh la vache, regarde-moi ce niveau. Oui, 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 oui. Fui, 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 fui. Il me faudrait plus de fruits. Fui, fui, fui. Ah! Animaux dissidents, voilà. Allez, tous au dodo. Bizarre autant qu'étrange. Ah, j'ai les clés. Alors, hop, on refait machine arrière. Nous rebrussons chemin. Évidemment, je suis déjà perdu. Poil ou U. La 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 la. Le week-end prochain, je vous ferai Moïse 3D au milieu des eaux. Oh oui! Waouh! Ah oui, comme tu dis, waouh! J'ai vaincu ma malédiction, j'ai récupéré tous les animaux. C'est extraordinaire, non? Question sur Noah, je ne sais plus. Recoucou d'une scène. Oula, qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai récupéré un. Je sais pas ce que c'était. Alors, question 36. Trois des animaux qui étaient Dieu qui disait à Noah qu'il aurait dans l'arche. Alors, de la bouffe et sa famille, des bouquins et sa famille. Une tenue de baignade et un canard en plastique. Non, de la bouffe et sa famille, non? Bah oui. Une tenue de plage et un canard en plastique. Non mais... Oh la vanne. Dieu a dit tu auras un canard en plastique. Alors, question 37. Qu'est-ce que Dieu choisit pour Noah d'être dans l'arche? Alors Noah était... Ah oui, pourquoi Dieu a choisi Noah pour l'arche? Noah était droit dans ses bottes, il était un bon serviteur et il savait nager. Non, il était honnête et droit, intègre, je présume. Bah oui. Il me semble que... Ah, l'autruche m'agresse. Alors que j'ai même pas le temps de dire ton propos, tu ne sais. Attends, pardon. Je réendors en... Voilà. Je réendors les bestiaux. Il me semble que ce jeu était dans un des tableaux mystères. Oui, je crois que tu dis vrai. Je crois que tu dis vrai. Effectivement, dans les jeux d'os, ouais, j'ai dû astucieusement glisser, ouais. Oui, je te donne raison, Tunsen. Exact. Vous deviez le deviner dans un tableau mystère. De l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était encore les jeux sous DOS. Exact. Très bonne mémoire, très bonne observation, Tunsen. Tu es très fort. Eh oh, l'autre, il m'a déboîté, c'est dégueulasse. Il m'a donné des coups de sabot alors que j'arrivais pas à passer la porte. Non, mais il m'a littéralement tué, le butin. C'est une honte. C'est une honte. Eh oh, les chevaux, calmos. Chavlou, il n'y a pas de secret. Il n'y a même pas une planche qui se déplace. C'est scandaleux, c'est scandaleux, scandaleux, scandaleux. Oh! Oh! Les salopios, ils m'ont pataté. Ils m'ont pataté avec violence. C'est reparti. Ah!
Alors... Alors, question 38. Noah est entré dans l'arche pour préparer avec sa famille. Non. Il y allait tout seul, la famille, plus tard. En fait, c'est horrible, mais Noah a fait tout le boulot tout seul. Ah! Mais ça me fait flipper de me dire que les animaux peuvent ouvrir les portes. Rien que pour ça, le jeu me fait grave flipper. Je ne l'accepte pas, le coup des animaux pour les portes, non. Ah! Non! Il m'a tué! On recommence. Ah! Du danger d'avoir des animaux sur le côté de la porte que vous ouvrez et qui vous donnent des coups de sabot ou ce que vous voulez, hein. Merdoum. Alors, question 39. Qu'est-ce que Dieu fit pour faire flotter avec du vent, de la large briquette, avec de large sol. Non, avec du vent. Avec le vent, ben, tout ça. Il y a des propositions de réponse. Et Dieu occasionnera une pluie de sureau. Un truc archi nimble. Ah! T'as vu? Gros vilain. Hop. Je crois que c'est la meilleure méthode. La meilleure méthode pour pas se faire patater. Oh là là, elle m'a fait mal, le couche. Ah! Ah! Ils sont partout! Ils détalent tout partout dans l'arche. Salopard! Salopard! Ah, ils me narguent, ils font les malins! Allez, au dodo! Putain, mais ils me rendent fou! Ils me rendent fou! Voilà! Oh, merdoum! Faudrait que je trouve des soins! Allez! Y a pas un mur qui coulisse, là, il me faut des soins! Au secours! Il me reste plus qu'un quart de ma vie, je suis mal en point. Alarme! Bon bah. Il n'y a plus qu'à prier que je ne fasse pas de beauté. Ouais. Un petit pansement, je vais pas aller loin avec ça. Attends, il y a la clé en or. Oh! J'ai quasiment plus de munitions! Mais non, mais. J'ai plus de munitions, au secours! Donnez-moi des projectiles! Là, j'y vais à main nue! Ah! Non! Je suis dans la mouise! On se le dise. Faut que je roule la réserve de placement. Ah! Couché. Oh merde, merde, merde. Non, ils sont tombés au secours. Eh ben voilà. C'était à craindre. Ils m'ont pataté. Les villes gredins. Attends, oui, je reviens sur mes pas parce que. Oh la vache.
Ah non, c'est ma porte qui s'est refermée. Ah! Mais d'où il vient, lui? Ah. Alors ça, ça surfuse pas. Ah bah oui. Ah oui. Ah, c'est une réserve de 10 trucs. Alors, combien de temps il fallut à Noah? Ah oui, avec l'arche. Après, il est arrivé au mont Ararat. Oh, je sais pas, 4 mois et demi. Non, même pas. La 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 la. J'ai tout pris en vérité. Pardon. J'ai tout pris. Mais Noah est à la fin de sa vie. Vous l'aurez compris. Oh là 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 là. Vilain bait. Oh, je suis encore plus dans le mal que tout à l'heure. Non. Oui. Oui, un secret. Oui, je veux. Je veux. Ah, c'est des fruits, ouais. Oh, bien. Bah, c'est bien. Ça a refait ma santé. J'ai la carte, la totale. Magnifique. Ah oui. Allez, au dodo. Non, personne derrière moi. Oh là. Mais j'ai plus de munitions, mais... Comment voulez-vous que je maîtrise des animaux en n'ayant plus de... Ah! Oh, vilain bait. On se calme, l'autruche. Couchez, l'autruche. Merde. Ah, je crois que c'est les pires, hein, les brebis là qui te crachent à distance. Elles te mollardent, les vilain bait. Elles te méprisent. Quoi, fou. Oui, je veux bien le pansement. Je sauvegarde dans ce boxon, je suis perdu. Je ne voudrais pas recommencer 100 000 fois le même niveau. Ah! Des munitions, des munitions! L'autruche m'a fait peur. L'autruche m'a fait flipper. Pourquoi j'ai subi une agression? Qui c'est qui m'a agressé? Ah oui, c'est lui! Oh le petit con! Il avait échappé à ma vigilance! La 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 la. Hop là, sauvegarde faite! Merdoum, je n'ai plus de munitions. Je vais me faire avoir quand même. Ah! Ah oui, je me suis fait avoir comme un con. Ah! Putain, j'étais à 100% de ma vie. C'est dégueulasse. Munitions! Ah! Non, il y a des questions, c'est pas le moment de me poser des questions. J'essaie de survivre, patate. Oh mon, je me suis fait lyncher par les animaux. Oh, le mauvais tir. Oula, j'ai une Harley Davidson qui est passée par chez moi. J'aime me faire déboîter par les animaux. La 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 la, c'est rigolo. Mais non, mais pourquoi j'ai si peu de munitions là?
bah oui, bah non. Je peux pas gagner comme ça, moi. Attendez. Je vais essayer désespérément de remettre la main sur des munitions, parce que là, c'est la mouise intersidérale. Je peux pas les maîtriser si j'ai pas de... C'est juste injouable. Non, mais pourquoi tout est vide dans les cales du navire? Non! Mais comment qu'il a organisé son navire? Noé, 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 pourquoi t'es pas sur le bateau? Noé, Noé. Dali, dali, dada, dali, douli, doulo. Ah! Je l'ai dans le cul. Ils vont me patater. Oh, merdoum, pourquoi il y a si peu de munitions? C'est pas possible. Compris que tous les animaux s'étaient libérés, on voit toutes les cages péter. Oh là là là. La carte dit quoi? La carte dit que je l'ai dans le baba. Oh là 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 là. Non, je suis foutu, hein. Non, non, il me déboîte. Il me déboîte tous. Et chez la banque, l'autre. Bah, je vais avoir mal de chien d'atteindre la girafe, moi. C'est pas la grande Sophie, la girafe. Nope. Oh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. On y croit. Oui. Non, qui c'est qui m'agresse? Petit con. Et puis, il y en a encore un autre là-bas. Espoir. Oui, non. Ah, munitions. Waouh. Allez, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Oh, dis-moi qu'il y a un truc qui coulisse. J'aurais aimé avoir une pièce secrète. Chocolate sur le navire. Merde, il me touche. Couché, le truche. Couché. Ah bah non. C'est elle qui m'a couché. J'oublie rien. Oui, cette pièce. C'est désespérant. À croire que ça se demandait si l'animal n'a pas été puni, mis à l'isolement. Ah! Alors elle, il faut que je la patate, voilà. Merde, qui c'est qui met? Voilà, dedans. Non, le portrait bouge pas. Je suis deg. Ah, pense-moi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, à part ça, y a rien. La carte, à mon avis, me dit que je l'ai dans le cul. Voilà, tout va bien. Oh,
Voyons. On va un peu draper de rouge après, parce que visiblement c'est la plus importante. Ah ! Salopard ! Putain, on vient de... L'appareil, pas... Oh, c'est pas sûr. Faut tester, faut tester. Non, pas de pièce secrète, dommage. Et enfin, la pièce. Ah, ça m'a sorti du niveau. Oui, mais attends, j'ai pas tout fait. Alors, c'est bon. Il est bon de savoir que je peux me barrer du niveau. Si j'ai bien capté, ça va par l'eau de 3 niveaux. Ah, bah oui, j'ai même pas répondu aux questions de. Sur la vie de Brah et son meurtre. Brah, toi-même. Ah bah voilà. Brah, brah. On pourrait soupçonner un passage secret quand on regarde la carte. Mais non. La 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 la. Alors, question 41. Qui était le premier homme hors à mettre le pied hors de l'arche? Est-ce que c'était Noah? Est-ce que c'était Shem ou c'était Ham? Moi j'ai envie de dire que c'était Ham. Ah non, c'était pas Ham. Question 42. Qu'est-ce que Noah offra à Dieu pour le remercier de l'avoir gardé en vie? Lui-même, ses animaux, la nourriture. Les animaux. Eh oui. Alors, qu'est-ce que Dieu promis, n'a jamais promis de faire? Encore. Ah, de refaire le naufrage sur Terre. De. On dirait presque le nom d'un anti-héros. Punish Man Man. Ou de retourner sous la douche. Oh, la mauvaise blague. Non, de refaire le naufrage. Bah oui. Le naufrage. Ce qui est dégueulasse, c'est que les bonnes réponses conditionnent des vivres et de la vie, etc. De l'importance de bien répondre aux quiz. Oh, oh ce jeu. Merde, j'avais ouvert les volets en me disant que la lumière naturelle était revenue. Bah tiens, il refait nouveau gris et la luminosité descend chez moi et j'ai envie de redormir. Ah bah je suis ravi que t'adores la musique. Bah tiens, d'ailleurs, on va changer de musique. On va changer de niveau. Wow. Oh, j'ai loupé 10 secrets. Mais j'ai bien joué. J'ai bien rincé le niveau là. Oh cette musique. Je suis en train de remplir mon panier GOG. Ah, ah, tu fais le... La razzia sur GOG. Et ils ont des belles références hein, sur GOG, vraiment. Ils ont quelques exclus qui valent le coup. Alors j'ai plus de noms en tête à décliner, mais... Non, non, ça vaut le coup de farfouiller sur GOG. Il y a des trésors. Et d'ailleurs, le jeu que je vous fais, là, de Noah, vous l'avez aussi bien sur Steam. Bon, moi, je l'avais acheté sur Steam, à l'époque. Et mais il est aussi sur GOG, le Noah. Oh, des noix de coco. Ah bon, après, j'en suis plus si sûr. Ah, si, c'est des noix de coco. On est d'accord, ça comptait pour un fruit. Ah non, c'est pas un fruit. Ah ! Alors, j'ai la clé en or. La 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 la. Oui.
Ah. Je commence à me perdre dans le niveau là. J'ai pas mémorisé les pièces en fait. Attends, du coup je viens d'être là. Ah! Ça c'est ce bêlement qui m'a fait flipper. Ah, je suis dans la mouise. Oh! Wow! Trop bien! Ah oui, je valide le wow! Chala le fruit! Yoli, yoli, yoli! Tu plais à mon père! Oh, encore! La carte chiquite! La chiquite card! J'ai la clé en or. Je sais plus, c'est le niveau de la girafe ou c'est le niveau au-dessus? Parce qu'il faut que je maîtrise la girafe qui a fait sa vilaine là dans l'histoire. Bah merde! Ah! Je suis en train de me perdre! Je suis arrivé par là. Ah bah. Ah bon, ça va, j'ai bien visé. Merde. Bête toi-même. La carte dit quoi là? Ah non, apparemment il n'y a pas de. Ah ah ah, attends, c'est bizarre. Non merde, je me gourde. Alors que les munitions sont précieuses, faut pas que je me gourde de touche. Oula, 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 on se calme. Merde, plus de munitions. Cool. C'est quoi? Oh! Mais c'est un super lance-pierre! Oh vache! C'est un lance-noix de coco! D'accord! Ok! Oh mazette! L'artillerie lourde! J'en calme plus d'un avec 40 noix de coco dans la tronche! Allez, mange! Allez, attrape! Tiens, essaye de gober! Oh oui! Oh, cette violence! Ah, je peux me barrer. Je sens que je vais pouvoir me barrer vers la girafe. Ah! M'a fait peur, cet idiote! Oh non, il m'a eu. Oh. On
On est proche de la girafe, je le crois. On va la voir, la bête. Mais c'est fou, qu'est-ce qu'ils peuvent détaler dans tous les sens? Voilà, au dodo, la girafe, l'autruche. Donc bon à savoir, il y a deux types de munitions, ça me plaît beaucoup. Sauvegardons. On va tout faire pour faire. C'est pas comme si j'avais superbement bien joué. Agression. J'aime bien le son. Allez, pan, pleine tête. Allez, au dodo, les animaux. Ah, la tête de Noah, j'arrive pas à m'y faire. Vous savez quoi? La tête de Noah là en bas de l'écran, elle me fait tellement marrer. Je pense qu'il y a, plus d'une personne dans le monde qui en a fait un gif animé sur internet. Et c'est le genre d'image animée que je mettrais bien en habillage de chaîne à n'importe quel moment. Parce que la tête de Noah me fait délirer. On se barre. Perfection. Et voilà, tac, direct au dodo. C'est quoi, c'est... Ah non, c'est des tonneaux à bouffe. Attends, on va aller sur les côtés d'abord. C'est quoi ça? Ah, c'est les clés. Non, y a rien qui m'agresse. Oh! Qu'est-ce que... C'est des antilopes. Oh! Oh! Cette violence! Incroyable! Mais c'est quoi les antilopes? Mais c'est horrible! Ah, puis elles sont coriaces! Peau de vache! Oh! Le passage ingérable! Sur l'arche! Merde, j'étais pas prêt! Attendez, on recommence! J'étais pas prêt, pardon! J'étais en train de détendre mes jambes au niveau de mon siège. Voilà, je suis prêt. La vache, faut lui mettre 6 fruits dans la tronche. Oh la vilaine bête. Ah, ils viennent de partout. Ah, comme tu dis, waouh.
Non, il reste une antilope. C'est obligé. Il reste une... Ah oui, au moins, bah oui. Oh. Ah! Il y en a même deux! Je suis content de faire le plein de munitions. Par contre, la santé... Ah, je pense que c'est la théorie du vilain petit canard. Ma théorie était juste. Ah, j'ai... Ok. Bon, j'ai gagné un sac de 10 projectiles. Bon, c'est mieux que rien, on va pas se plaindre, mais bon, c'est un peu cool. Ah! Oh nono, sale bête! Oh, ce portrait. Ce portrait de fou. Oh oh oh. Alors, ça va, tranquille. Ils arrivent à ouvrir les portes, les sagouins. Et puis elle est bloquée maintenant la porte, bravo. Encore ? Ok. Deuxièmement, je suis au taquet. Ouais, c'est cool. Ah oh, oui, j'aime quand tu fais waouh. Oh non, c'est la girafe. Lave-la. C'est la vilaine! C'est la vilaine qu'il s'agit de maîtriser. La vilaine girafe. Ah! Eh ben la girafe m'a déboîté. La girafe ouvre les portes, évidemment. C'est pas drôle. Bah oui, c'est pas drôle. Je l'ai canardée, elle est parvenue à me trucider. Mince, je me suis trompé de touche. Je suis tellement troublé. C'est scandaleux. Mais non, mais... Mais comment vais-je faire? Je vais mourir. Je vais mourir dans notre souffrance. À coup de coup de boule de girafe. La vache. Je peux pas lutter, c'est horrible. Ah. Elle a quel niveau de points de vie? Je lui ai balancé toutes les noix de coco, je lui ai lancé trentaine de pierres, elle est encore debout. C'est pas possible, c'est une girafe dopée. Ah.
rebousser chez moi pour essayer de récupérer des trucs. Non, mais non, mais j'ai tout pris. Mais non, mais je suis foutu, j'ai tout pris. Je suis mort. Mon émunition, d'accord, mais c'est la vie qu'il me faut. La vie et des tripes. Ah la blague. Non. Oh là 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 là, ce meurtre. Ce meurtre animalier. Qui l'aurait cru un jour que je me fasse mater par une girafe? Un samedi après-midi, c'est honteux. Oui! Oui! Je suis parvenu à la canarder! Ah! Oh mon Dieu, quelle horreur! Mais attendez, c'est pas fini. Il y a encore quelques animaux dissidents autour de la girafe. C'est quoi le délire? Oh là 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 là! Le délire qui fait peur. Oh, le plaisir de voir la girafe en train de pioncer. Petit malin qui prévoyait de contourner le... Ah, j'ai ouvert la bonne porte. J'ai ouvert la bonne porte. Ah, question, je crois. Question 44. Dans le livre, la Bible. Qu'est-ce que... Quoi ? Trouver l'histoire de Noah. Ah oui, dans quel bouquin de la Bible? Oui, la collection. C'est dans la Genèse, dans l'Exode, dans le Deutéronome. Dans la Genèse, non? Bah oui. Au début de tout. Ce stress. Jamais 203, il y avait 3 autruches. C'est scandaleux. Attends, on sauvegarde parce que je suis tellement content de... Oh. Wow. On a gagné! Oui! On a fini le deuxième. Enfin, on a fini le deuxième animal, j'allais dire, ça parle mal. On a maîtrisé la girafe. Ah, oh, bah, je ferai la suite un autre week-end. Oh, oui! Quoi? J'ai loupé plein de secrets avec plein de fruits. C'est honteux. Dodo et bon boulot, Noah. Oui, oui, oui. Ah, maintenant il y a Melvin le singe. Ah, bah le prochain ce sera le singe à coups de noix de coco dans la gueule. Oh, ça donne envie de vivre la suite de l'aventure. Dans le prochain épisode, découvrez comment Noah a maîtrisé le singe en le poutrant la tronche à coups de noix de coco dans la gueule. Ce récit était dans les pages perdues déchirées de la Bible. Ah, quelle rigolade. Eh, c'était pas mal. Pour une découverte, moi j'ai bien rigolé. Mais c'est particulier, je vous l'accorde. Ah, mais quel nigo, je vous ai laissé le plan de la compilation, moi. Vous avez eu le bandeau comme quoi c'est une compile, oh mon Dieu. J'ai oublié de changer de scène.